Bon, on est reparti, hein. Et pourquoi pas? Bon, ensuite, ça on l'avait vu. Reconverti en navire de construction lourde, l'Olympien revient quelque temps plus tard, les cales pleines d'un nouveau chargement. Fleuron de la technique moderne, le plomb, une plateforme ultra sophistiquée, dépose matériel, matériaux et travailleurs au fond de l'océan. Une fois les divers éléments de la structure en place, la plateforme est définitivement amarrée. Deux titanesques poutrelles métalliques sont enfoncées de plusieurs centaines de mètres dans le sol limoneux et, sous la plateforme, deux brillants ingénieurs doivent triompher des obstacles naturels. La roche impénétrable, la faune et la flore sauvage à plus d'un titre, et des galeries sous-marines pleines de dangers terrifiants. La faune et la flore. Attends, on entend souvent cette phrase, la faune et la flore. Mais pourquoi donc? La suite, elle est où? On va d'abord écouter tous les trucs là. Oh, il est cassé lui. Merde, je suis dégoûté. Enfin, il y a plus que lui. Une fois la plateforme en place, le travail avance à une vitesse incroyable. Des ouvriers œuvrant nuit et jour à la construction de notre extraordinaire métropole, Rapture. Rapture. Il y en a en bas aussi. J'ai pas l'impression. Non, c'est bon, on a tout vu. Tout vu, tout lu, tout écouté. Donc on peut avancer. D'avoir fouillé un peu partout. Regardez si j'ai rien, si j'ai rien loupé. Hein. C'est une porte ça. Faut aussi. Hein. Voilà, on va voir qu'il y a une trousse de soins là-bas. Que je vais pas prendre maintenant, ça sert à rien. Je suis presque full au niveau de la vie. J'aime bien les élèves de Mademoiselle Engler. Mais je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en acceptant d'emmener sa classe à la nocturne organisée par le parc d'agrément Ryan. Denis ! Denis, descends de cette statue ! Et je t'ai dit de cracher ce chewing-gum, tu vas t'étrangler ! Oh. Mes parents ont le droit de fêter le réveillon sans se soucier de rien, mais bon sang, pour moi, qu'elle plaît. Denis, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est vrai, ça, c'est... On verra pas d'enfants dans le jeu, enfin, à part les petites sœurs, je veux dire. On prend un enfant drogué, ça fait pas trop... C'est pas trop bien vu, non, dans les jeux. Bon, on va aller d'abord vers la gauche. Hall du futur. Tu me diras, on peut pas aller... si, on peut aller vers là-bas. Ouais, on va d'abord aller vers le hall du futur. Ou alors d'abord on fouille en bas aussi. On va d'abord fouiller en bas. Ah non, ça c'est pas ça. Ouais. Ouais, vous avez vu que c'est de plus en plus compliqué pour pirater. Ouh. Bon, ça c'est fait, c'est nickel. Pourquoi ça s'écroule ici?
Ah bah tiens, il y a du mouvement. Font chier. Des frics, des frics, des frics. Wow. Tu mérites que dalle, tu mérites juste de mourir. Oh là. Je lui ai mis un rivet dans la gueule. Riverside. Je dis le nom de la série mais je l'ai jamais vu. Alamo, Lalito. Il m'avait manqué. Bon alors des bababal. Ah magnifique. Ah oh, parfait putain. Elle m'a pas donné un truc gratuit. Non. Wow. Non, d'accord, bizarre. Radin. Dérivé piégé, putain, ça je kiffe ça. Dérivé piégé, putain, ça coûte cher quand même. 136 sur... il me propose des calibres 50-40, mais c'est pour plus, c'est pour pistolet, mais j'en ai pas trouvé encore de pistolet. Enfin, de revolver plutôt. Fléchette du piratage 7 CAC. Voilà. Ah, à moins que c'est les balles de là. Ouais, de ça plutôt. Ouais, je pense. Ah, c'est un non, c'est un calibre 50. Bizarre, je sais pas. Je ne sais point. Bienvenue à la farandole des prix. Putain, ça s'use vite ça. Là. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. C'est un sans faute pour l'instant. Ouais, ben dans celui-là aussi, on peut avoir des balles. Mais celui-là, il propose aussi des soins, des trousses de soins et des seringues, des soins de Eve, alors que lui, il ne la propose pas. Arrivé, arrivé, arrivé. Ta ferraille de merde. C'est toi qui l'as déglingué, hein, Edna? Tout ce que tu touches, ça devient de la merde. Ah putain, c'est cette phrase, putain. Tout ce que tu touches, ça devient de la merde. Ah putain. Espèce de connasse. Ah, je pourrais le pirater. Attendez, comment on fait? Ouais, plus j'avance dans le jeu et plus il y a des trucs qui reviennent. Où est toi, l'agneau? Qui a appelé cette poubelle? Bleu, c'est chaud. Adieu, les gars. Ils vont is dead. C'est mon ami. Voilà. Alors ça, c'est vraiment des armes à avoir impérativement. Tout le monde semble être sur la brèche ces temps-ci. Tout le monde, sauf vous. Vous ne connaissez pas encore la nouvelle ligne de plasmide de printemps de Ryan Industries. Il serait peut-être temps de vous secouer, non? Évoluer avec votre temps. J'adore le décor, c'est... Je suis amoureux de cette ville, de ce décor et tout. Oui, j'ai entendu feu, mais je sais pas trop où il est en fait. Il doit être derrière le mur et ça doit faire un petit bug. Ou voir si les télés qu'on entend. Non. Enfin, je sais pas. J'ai rien loupé ici, non, c'est bon. Les jardins des glaneuses. Parfait encore. J'ai toujours peur de laisser quelque chose derrière moi. Bah, plus précisément pas des munitions ou
ou des seringues, je m'en foutrais quoi. Mais plutôt, comment dire, les des dictaphones. Ouais, on entend le feu, mais ah oui, il est en bas. Ben, allons-y. PQ, plasmid, Ed Evolve. Oh, la petite fille, elle fait de la lumière. Lui fait du feu, lui devient super fort. Et l'autre, il fait de... Je sais pas quoi. Ah ben, c'est là. Ah ouais, même en allant ici, on pourra ou acheter un nouveau pouvoir, ou alors améliorer, je crois. Mais je peux pas, je suis con, j'ai pas d'adam. Enfin, il me semble hein, que je pourrais pas. Andrew Ryan. Hmm. Je me rappelle de ça. En fait, vous voyez là les espèces de mannequins. Eh ben, ça n'en est pas. Enfin, si, la plupart, oui, mais. Il y en a, ça n'en est pas. Lors des tests d'aujourd'hui, nous avons encore perdu un protecteur alpha. Il a purement et simplement disparu quelque part en dehors de la ville. Pour eux, Rapture n'a aucune frontière. Nous devons trouver un moyen de les conditionner à ne jamais abandonner les petites sœurs, et ce même lorsqu'elles ne sont pas directement à proximité. Je pense à quelque chose de physique, de fatal aussi. Les assistants du laboratoire parlent d'eux comme des papas des petites. Peut-être y a-t-il quelque chose à creuser de ce côté-là. Si nous établissions un lien d'amour entre eux, un amour à la mort. Bon voilà, c'est comme je dis là, comme j'ai pas d'Adam. Et l'Adam, pour en avoir, ben, faut que j'appelle une petite fille et que je le récolte. Et que, ben, que elle le récolte pour moi. Je pense que là, il y aura, ça restera des mannequins. Parce que normalement, quand on vise... On peut voir que c'est un humain. Mais là, comme j'ai pas d'Adam, ça sert à rien quoi. J'étais ici pour rien. Bah on voit tous les plasmides. Plasmides du vent, plasmides du feu. Ah non, ça c'est. Bah, tous les pouvoirs qu'on peut avoir. Ah mais je peux appeler. Ce n'est pas la voie du salut. Le sang de l'agneau est le seul moyen. Ouais, faut que j'appelle une petite sœur. Le nom, la marche. Il y avait une femme avec lui normalement, non? Je dois m'abriter. À l'abri. Bon, le courtier. Ah, faut que je cherche une bouche d'aération. Ok. Logiquement, si je me souviens bien, il y en a une en bas de bouche d'aération. Je vais quand même vérifier. Hein. Ce jeu est vivant. Y a quelqu'un? Oui. Je vais me foutre chez moi. C'est chez moi ici. Normalement, dans le jeu basique, dans les réglages basiques, il y a une flèche jaune qui m'indique où aller et tout. Mais je l'ai pas mis parce que ouais, que j'ai vraiment envie de galérer. Bon, d'accord, il y a pas bouge. D'accord. Faut avancer un peu plus. Que c'est fermé, nickel. Bon, on va passer par la gauche, par ici. Gift shop. Les gens comme toi sont pas les bienvenus ici. Ah, mon Dieu, il veut rien entendre. Si, j'entends, vous inquiétez pas. De la paix. Le mec après il marche tout calmement alors qu'il a fait ouais. Bâtard.
chien. Vous n'imaginez pas ce que je... Ok. Oui, vous avez remarqué que mes deux jeux préférés, Fallout 3 et Bioshock 2, bon après il y en a d'autres, il y a mais c'est vraiment les deux jeux là principaux qui m'ont mis la plus grosse claque dans la gueule. Eh ben, ils ont des particularités hein, qui se ressemblent, les musiques rétro, vintage quoi, et le décor, hein, ouais quoi, c'est... Des bonbons, je veux des bons becs. Je regarde l'arc là. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Qui vivra verra, hein, comme on dit. Il doit y avoir un dictaphone ici, c'est obligé. Ouais, bon, l'alcool, on va un peu arrêter. Hein. Ah oui, c'est une boutique quoi, de livres, de jouets. Oh, regardez, il y a un sous-marin. Des peluches, des poupées. Munitions. Un chiffré vivre dans une ville comme ça, moi. Sous l'eau. Ah, je l'avais dit. C'était sûr. Au début, ma boutique de cadeaux ne rapportait presque rien. J'avais du mal à vendre mes babioles de touristes plus chères qu'elles ne m'avaient coûté. Et puis, il y a eu ce gars-là, Sinclair, qui m'a dégoté un super plan. Il connaissait des types en galère du point de chute qui pouvaient me fabriquer ça pour deux fois moins cher. Bon, j'ai dû barboter deux ou trois seringues dans chaque cargaison, mais personne n'en a jamais rien su, et c'est tout bénef pour moi. C'est tout bénef pour moi. Sait-on jamais si je rate mon piratage? De toute façon, si je le rate... Wow, quand même. Ah putain, c'est beau ça, parfait. Les coffres piratés peuvent être fouillés, logiquement. Oui, non. Enfin, elle plutôt. Alors, elle court pourquoi? Parce qu'elle m'a vu ou parce qu'elle est speed? Bonne question. Est-ce que tu es speed ou tu m'as vu? Stop. Aidez-moi à dénicher ce passé. Jamais vous n'aurez le Tu n'es pas le Messie. Messie. Je suis le Messie. Bon bref, c'est fait. J'ai été piégé, putain, je suis full. Bon bah ici c'est bon. Hein. The wench it and no, never the. Ok. Quelqu'un qui pleure. Je sais pas où aller, mais je pense qu'elle est dans AVC, il me semble.
Ah ça c'est des munitions rivées l'ours et ça ça fait plus de dégâts. Il est piégé, je vais en mettre un là. Comme ça si l'autre bugle elle sort, elle se fait tuer. Allez, moi aussi je risque de me le prendre. Ouais, faut que je prenne ça. Ça va pas, je l'ai mal mis. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un là-dedans. C'est obligé. Ça s'ouvre pas ? C'est bizarre ça. Ah, elle m'a fait peur, putain. Ah, la connasse, putain. Elle m'a bien eu, elle m'a bien eu. Max, c'est juste un mur, il n'y a pas de WC. Vas-y, attends. Ça serait bizarre qu'il n'y a pas de WC. Ouais, je vois. On peut pas ouvrir la porte là. Ok, bon, ok. Ça marche. Ça court même. Caméra ici. Bah non, plutôt. Bah elle doit être au-dessus en fait. Meilleur whisky, putain. Whisky. Whisky, whisky. Je suis ou je suis pas tué? Ah, je peux pas. Dommage. Rivé lourd, ouais cool. Trop de soin. Je connais la vie à la surface, Eleanor. J'y ai passé la moitié de ma vie à servir l'intérêt général. Et puis j'ai entendu mes arguments détournés et salis par des vieillards qui s'en servirent pour justifier l'apocalypse d'Hiroshima. Si le monde moderne avait été l'un de mes patients, j'aurais diagnostiqué un profil de suicidaire. En cela, Andrew Ryan avait raison. Rapture est une délivrance. C'est lui qui est en train de gymer là, enfin qui... Nous avons tous pour devoir moral d'entretenir le bonheur commun et de soulager la douleur de tous. Seuls, nous ne sommes rien. De vulgaires moteurs poussés par l'intérêt individuel. Ensemble, nous formons une famille. Et cette unité transcende l'ego. L'ego. Combien ça? Antipersonnel. Putain, 44, c'est cher. Assez cher quand même. Pourtant, je l'ai perdu. Ouais. Bon, alors, c'est pas par ça se passe en fait. Ok. Je devrais utiliser ça. La foreuse. Je l'utilise pas assez en fait. Ça ferait économiser beaucoup de balles. Ah, elle m'a pas vu, d'accord. Sortez de ma propriété.
qu'il y a des trucs de soins là qui sont un peu partout, ça fait que ouais. Qui me permettent de me soigner ou de récupérer des trucs de soins, ça fait que ouais. Quoi. Enfin, des machines à soins, on va dire. C'est comme ça. Et on peut voir que le niveau de mon pouvoir d'Ève descend plus que celui-là de la vie, ça fait quoi, quoi. Je suis coincée ici, papa. Alors en attendant que tu arrives, je peux t'envoyer quelques cadeaux. Mais c'est tout ce que je peux faire. Bah c'est déjà bien. Foreuse aiguisée. Alors, vous préférez affronter vos ennemis au corps à corps, les yeux dans les yeux? Alors profitez de fourreuses aiguisées et rendez vos attaques à force encore plus dévastatrices. Je prends, vu que ça tombe bien, en ce moment je l'utilise. En psychiatrie éthique, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'évolution. Coucou, c'est moi, Eleanor Lamb. Maman ne veut pas que je joue avec les autres enfants, parce qu'elle dit que c'est des cannibales et qu'ils se mangent entre eux. Moi, je voulais voir les gens qui se mangent entre eux. Alors j'ai attendu que maman parte et je suis sortie pour les voir. Et devine quoi? Les cannibales, ils sont recouverts de peau. Ils nous ressemblent. Oui, ils sont comme nous. Elle est pas mignonne, ma petite Eleanor. Seule, elle est mignonne. Ma fille. Alors, c'est dommage que c'est pas comme dans Zelda. Donc un half time que ça nous sonne pas la vie. Bon après ça va, je suis pas en train de travailler non plus hein. Qu'on se le dise hein. Il y a un des fauteuils ici. Dorado Lunge. Bah voilà, je comprends mieux. Eldorado. D'accord. Alors, il y a une petite serre plus loin. Pour obtenir de la dent, vous devez commencer par vous occuper de son protecteur. Ah merde, putain. Faut que je défonce le protecteur. Comme dans le 1, quoi. Putain, il semblait. Mais après, non, plus tard dans le jeu, je pourrais les appeler tout simplement en tapant dans la bouche d'aération. Ça sera pas toujours comme ça. Il ne vous attaquera pas tant que vous n'engagez pas les soucis, c'est ouais, que j'ai très peu. Mais attendez-vous à combattre après un combat après être. Ouais, bon, les protecteurs ils sont badass. Hein. Vous l'avez compris. Nouvel objectif, tuer le protecteur. Allez, j'en aurai besoin. Faut que je fasse bleu. Ah, parfait. Un protecteur ne dégaine jamais le premier. Malheureusement, vu que tu veux sa petite sœur, tu vas devoir le titiller un peu. Merci. Ouais, mais ah bah putain, oh, c'est éclaté là, je le sens, oulala. Et je vais pas le faire maintenant, on a le temps. S'il va dans l'eau, je le crie. Bon, allez, il y va. Enfoiré. À toi, si je laisse partir... Ouais, c'est parti. De toute façon, il faut bien les tuer. Bon, attendez, hein. Restons calmes.
Je vais sauvegarder déjà. Que là, ça va être rock'n'roll, comme on dit. Attendez. Faut vraiment que je prépare bien. Je vais te porter moi-même. Faudrait que je l'emmène ici. Voilà. Bon, quand faut y aller. Ah merde. Ah. Ouh. Bien joué, mon gars. Tu as réussi. Allez, pose-la sur tes épaules. Elle te fait confiance maintenant, comme si tu étais son propre père. C'est toi ? Ça veut dire qu'on est heureux ensemble ? Ah. Toi et moi, on est en affaire. Rapture est jonchée de cadavres. Et ce petit monstre sait comment en extraire la dent. Allez, trouvons une dépouille. Aspirine ? Attends, j'ai... Bah écoutez, le dictaphone, j'ai pris le dictaphone, il me semble, non ? Je suis pas sûr. J'ai enfin trouvé l'une de ces gamines. Ouais, nickel. Abandonnée à elle-même, portant une robe sale. Je l'ai approchée, priant pour que ce soit ma petite. Mais... cette môme, elle... elle se gavait du sang d'un cadavre. C'était pas elle. Je la fixais, pris de vertige, et... cette chose, ce malade en armure qui avait enlevé Cindy, m'a sauté dessus de nulle part, en hurlant comme une bête. Je me suis enfui, mais... Oh, ah, Cindy. Peut-il... se peut-il qu'elle soit devenue l'une de ces choses ? Il faut que je la retrouve. Voilà le rôle de la famille. Voilà notre cause. Ouais, c'est cool, il y a tout le monde qui parle en même temps, c'est agréable. C'est super. Il y a de l'argent là, ouais. Du fric. Ouais, bah t'attends, petite sœur, hein. Que je foute bien les lieux. Oh, ça me plaît. Ouais, tu me diras. Viens, monsieur P. On va rater les anges qui dansent. Les anges qui dansent. Elle a dit qu'on est. C'est. Oh, je suis pas mort, je suis content. Wouah, c'est galère là. Dans le jeu, je l'aime faire déjà. Merde, putain, quel con. je lui ai envoyé des rivets piégés, putain, comme un gros golemon. Bon, ça, c'est si qu'on va se quitter. Oh putain, on va regarder. Ouais, c'est comme j'ai dit, hein. Lève. Putain, c'est. Ça, je passe. Ah bah, nickel, il y en a une là. Tour de soin, bah non. Fais chier. Ah, ça va, c'est 23. Ok. De toute façon, c'est qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Hein. Ah non, ça va encore. Vous avez du bol. Alors, elle m'a dit quoi ? Il sent la dent, monsieur P.
C'est là-bas. Alors, moi, ça me rappelle quelque chose, le truc qui vient de se passer là. Ça me rappelle Harry Potter et les reliques de la mort. Hein? C'est bien. Je sais que le cœur, c'est celui-là qui est là. Voilà, c'est celui-là. Mais avant. Ouais. Alors, il n'y a pas de caméra ici. Mais bizarrement, il me semblait qu'il y en avait une. Là, elle en a trouvé un bien juteux. Attention, dès qu'elle commencera à en drainer là-dedans, les chromosomes rappliqueront. Assure-toi d'être prêt à les recevoir avant de la mettre au travail. Ouais, je sais, je sais. Je pourrais lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les filles. Et ensuite, on aurait. Hein? Bon d'accord, j'ai l'impression que c'est plus efficace quand je lui envoie pas un choix électrique dans la gueule à lui. Donc voilà toi. Il n'y a pas de caméra tu vas dire si c'est assez. C'est lui qui m'a quitté. Ouais bah c'est pas ici là. Bon tant pis on s'en fout. Bah, là où j'ai la mitrailleuse d'eau de toute façon, s'ils viennent par là. Ah, dépose-la en plein sur le Maccabée. Mais je sais, putain fais pas chier. Mais oh là il a complètement raté. Complètement foiré le truc que je voulais faire. Là. Par là aussi. Bon bah je crois que c'est bon là, c'est bien là. Et je vais encore remettre. Je vais aussi attends. On a trouvé. Vas-y récolte-moi ça toi. Allez c'est parti. C'est une enfant de la famille que tu tiens là, et non un jouet dont on profite avant de le jeter. C'est une bonne chose que tu. Ici. Oui, on va lui dire. Après, ouais. Bientôt, toi aussi, tu ne seras qu'une curiosité de plus dans le temple de l'ego érigé par Ryan. J'ai sauvegardé parce que putain, je suis en train de stresser pour rien en fait. Là. Ils arrivent, mon gars. Occupe-toi des chromosomes le temps qu'elle termine avec la charogne. Ils doivent pas l'approcher. Ça marche. Ouais, bon, on fera ça sur la prochaine vidéo parce que là, je pense que voilà que j'ai atteint le quota. Là. Allez, à suivre pour. Ça va être mouvementé la prochaine. Allez, ciao.